métier consiste à conseiller les particuliers sur la partie technique de leur projet, mais aussi sur la partie financière. Et tout au long de l'année, j'ai aussi des missions d'animation auprès du grand public et des professionnels. Donc là, on est sur le salon de l'habitat et on est là pour conseiller les personnes sur leur projet de rénovation énergétique. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est qu'il y a le contact avec les personnes, avec les particuliers. Ils me confient un petit peu leurs projets. Et puis ensuite, ensemble, en fonction de vraiment leur mode de vie, des problématiques qu'ils peuvent avoir chez eux, des spécificités de la maison, je vais les conseiller vraiment techniquement, en fonction de tous ces éléments-là, pour trouver des réponses à leurs questions et les guider dans le choix des différents systèmes pour être le plus confortable, en fait, finalement, chez eux, quoi. Ça évolue beaucoup, notamment par rapport à l'actualité en ce moment. Donc il y a toujours des nouvelles technologies. Et puis c'est vraiment un besoin pour les personnes aujourd'hui et une vraie problématique de pouvoir continuer à se chauffer et tout en étant et à garder un certain niveau de confort chez soi. Donc c'est vrai que c'est pour toutes ces raisons, c'est un métier qui est très intéressant. Je suis venue aux ateliers Rénov' Occitanie pour me renseigner personnellement, donc d'une part pour voir pour les climatisations réversibles et d'un autre côté pour mes parents qui prennent de l'âge, voir si on peut aménager la salle de bain, voir si on peut mettre une douche et avoir quelques idées.